Wow. Le pendule de Newton est un objet de décoration intérieure composé de 5 billes métalliques de même masse, suspendues par 2 fils à 2 barres rigides. Lorsqu'on lance une bille d'un côté du pendule, de l'autre, une autre bille se met en mouvement. Lorsqu'on en lance 2, 2 billes se mettent en mouvement. Son fonctionnement est fondé sur le principe des actions réciproques et de la conservation de la quantité de mouvement et d'énergie. C'est une bonne image de l'humanité, tiraillée entre sa volonté d'obéir à la loi et son désir de transgression. C'est la fausse alternative entre le démiurge et le diable chez les gnostiques. D'un côté, les humains obéissent aux prêtres, aux chefs d'État, aux juges, aux policiers, aux professeurs, à leurs parents. De l'autre, ils sont séduits par des gangsters, des dealers, des arnaqueurs, des chefs de bande et des pervers. Ils ont d'une part des règles de vie imposées d'en haut, et ces règles de vie engendrent de la tristesse parce qu'elles font d'eux de bons élèves, des citoyens responsables, des enfants soumis. D'en bas, on leur propose des licences et on leur suggère des intensités. Et ces intensités créent de l'accoutumance, de la dépendance et du besoin. À leur tour, elles engendrent de la tristesse parce qu'elles font des êtres humains soit des victimes, soit des bourreaux, responsables du malheur d'autres victimes. Un poème gnostique du IIe siècle disait déjà tout ça. L'âme souffre, jouée et esclave de la mort. Tantôt, investie de la royauté, elle jouit de la lumière. Tantôt, précipitée dans le malheur, elle pleure. Tantôt, elle se réjouit et tantôt, elle pleure. Tantôt, elle pleure et tantôt, elle est jugée. Tantôt, elle est jugée et tantôt, elle meurt. Tantôt, enfin, elle ne trouve plus d'issue. Âme infortunée, ses courses errantes l'ont amenée dans un labyrinthe de malheur. Le pendule de Newton est également une assez bonne image des relations entre le capitalisme, le terrorisme et la police. Lorsqu'on lance une action terroriste d'un côté, de l'autre, une action policière se met en mouvement. Le tout permet de conserver la quantité de mouvement et d'énergie nécessaire à la survie du capitalisme. Sur le terrorisme, on n'a jamais fait mieux que Rainer Werner Fassbinder, ouvrant son film « La troisième génération » dans le brouillard sonore de bandes audio superposées, avec un commissaire de police disant à un magnat de l'industrie « J'ai fait un rêve récemment. Le capitalisme avait inventé le terrorisme pour contraindre l'État à mieux le protéger. Très drôle, non ? Oui, c'est très drôle. Parce que même si nous la vivons dramatiquement, il ne faut jamais perdre de vue que la vie, toute cette vie, est une comédie. Mais c'est aussi un rêve dont on doit se réveiller. » Bienvenue dans la fin du film, épisode 7, la troisième génération de Rainer Werner Fassbinder. Les films nous regardent pour que nous commencions à vivre. La troisième génération s'ouvre sur une image de l'église du souvenir à Berlin. C'est une église construite à la fin du 19e siècle, conçue pour littéralement dominer la ville. Bombardée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses ruines ont été conservées et complétées par un nouveau bâtiment en mémoire des destructions causées par le Troisième Reich. Mais à mesure que le générique avance, nous comprenons que celle-ci est vue depuis un bureau qui est placé bien plus haut qu'elle. L'église du souvenir ne domine plus Berlin. Ce qui domine, c'est le bureau d'un PDG d'une compagnie d'informatique. C'est une image qui doit être entendue d'un point de vue allégorique, mais c'est aussi une manière de faire entrer la fiction dans le film que nous nous apprêtons à voir, voire même la science-fiction. D'autant plus que le titre et les crédits sont rythmés sur un mode stroboscopique, avec un son répétitif imitant le battement d'un cœur lors d'une opération chirurgicale et des sons de synthétiseurs qui évoquent le cinéma de science-fiction. Au générique, le film se présente ainsi. Une comédie sur des jeux de société, pleine de suspense et de logique, d'horreur et de folie, comme les contes que l'on raconte aux enfants pour les aider à supporter leur vie jusqu'à la mort. Le générique laisse également apparaître une dédicace énigmatique. Dédiée à un vrai amant, comme à aucun probablement. Celle-ci est suivie d'une citation d'Helmut Schmidt, alors chancelier de la RDA. « Je ne peux que remercier les juristes allemands dans cette affaire. Il s'agit du raid antiterroriste de Mogadiscio, et peut-être d'autres choses au-delà de Mogadiscio, de ne pas avoir instruit selon le droit constitutionnel. » C'est un extrait d'un entretien accordé par Schmidt au Spiegel en janvier 1978. La remarque, entre parenthèses, n'est pas du chancelier. Elle est sans doute de Fassbinder lui-même. Enfin, les informations sont données à grande vitesse, alors que nous sommes immergés dans un environnement sonore composé d'une multitude de musiques simultanées, dont celle du Diable probablement de Robert Bresson, qui est diffusée sur une télévision reliée à un magnétoscope. On voit d'ailleurs bien en évidence deux écrans, une télévision qui montre le film de Bresson et un ordinateur. Le cinéma, l'informatique. Deux forces qui s'opposent, mais s'opposent-elles? Le film se passe à Berlin-Ouest en hiver 78-79. P.J. Lertz, le PDG d'un groupe informatique spécialisé dans la surveillance, fait face à une crise importante dans les ventes de ses ordinateurs.
Au téléphone, il explique. Jedenfalls will Bonn gerade jetzt keine neuen Aufträge für Computer erteilen. Und zudem hat es in Deutschland in letzter Zeit absolut keine neuen Terroraktionen gegeben. Wenn ich das Leben verliere, würde ich alles das verlieren. Keine Verkaufsargumente also. Le film va montrer comment tout cela va changer. On découvre la cellule terroriste annoncée dans le titre du film, la troisième génération. Il y a Rudolf, qui travaille dans un magasin de disques et a recueilli chez lui Ilse, une héroïnomane perdue. Il y a Edgar, le fils d'un commissaire de police cynique, Gerhard. Il y a Suzanne, la femme d'Edgar, qui est également la secrétaire de Lurtz et couche avec Gerhard, le père de son mari. Il y a Petra, une femme au foyer en guerre contre son mari banquier. Il y a Hilde, une professeure d'histoire. Ils seront rejoints par Paul, un tireur d'élite, et par Franz, le fiancé d'Ilse, un ancien militaire désormais sans emploi. Cependant, il rejette avec mépris l'ami de Franz, Bernhard, qui se trouve être le seul parmi les personnages du film à étudier sérieusement la pensée anarchiste. Leur leader est un mystérieux Auguste qui leur confie des missions qu'ils exécutent sans discuter. Pendant une heure de film, les apprentis terroristes ne font strictement rien. Ils se retrouvent chez Rudolf, jouent au Monopoly, critiquent le fait que leur hôte abrite une héroïnomane qui ne range pas sa chambre. Ils parlent colifichés, fantasment sur les camps d'entraînement militaires et se moquent de Bernhard qui souligne des passages dans ses livres de Bakounine. Et puis soudain, à une heure de film, ça s'accélère. Auguste, qui joue en réalité double jeu et a des rendez-vous fréquents avec Lurtz qui finance secrètement leur groupe, les bombarde de missions. Ils volent des papiers encore vierges à l'état civil. Puis Auguste envoie la cellule braquer une banque. Il prévient la police que Franz est allé au cimetière visiter la tombe de sa bien-aimée et celle-ci le descend. Petra part seule à la mairie de Schönberg pour y poser une bombe, mais la police, encore une fois informée par Auguste, la descend avant qu'elle n'ait le temps de commettre son attentat. Enfin, les quatre derniers membres encore vivants, Edgar, Hilde, Rudolf et Suzanne, décident par eux-mêmes, sans avoir même besoin qu'Auguste ne leur suggère, de kidnapper PJ Lurtz pour exiger en échange la libération de tous les prisonniers politiques du pays. C'est la bonne idée de Suzanne et d'Edgar, totalement inconscient que l'industriel n'attendait que ça depuis le début. Pourquoi, demande Rudolf, qui n'est pas immédiatement conquis. Parce que c'est ce qui se fait, répond Edgar. Ils enlèvent Lurtz le mardi 27 février 1979. L'industriel peut enfin enregistrer sa vidéo de rançon au milieu des terroristes qui refont maladroitement la prise dans des déguisements de clowns. Le 27 février 1979, c'est Mardi Gras. C'est la fin de la période de carnaval, l'entrée dans carême, la période de jeûne. On comprend la symbolique de cette conclusion. Le moment festif du terrorisme est fini. Désormais, la répression et la surveillance policière, assistées par l'informatique, vont pouvoir vraiment commencer. Fin du film. Né le 31 mai 1945 en Bavière, mort le 10 juin 1982 à Munich à l'âge de 37 ans, Rainer Werner Fassbinder a réalisé 41 films en 13 ans, entre 1969 et 1982, parmi lesquels des téléfilms en plusieurs parties, voire carrément deux feuilletons de respectivement 5 et 14 épisodes. Si on ajoute deux courts-métrages réalisés en 1966, l'ensemble de son œuvre filmée représente près de 93 heures de cinéma. Ce qui en fait, sinon un des artistes les plus prolifiques de toute l'histoire du cinéma, un des plus rapides et des plus affamés. On divise généralement son œuvre en trois périodes. C'est réducteur, mais tant pis. La première période, qui démarre avec ses courts-métrages « Le clochard et le petit chaos » en 1966, puis en 1969, le long-métrage « L'amour est plus froid que la mort », est marquée par l'influence du théâtre d'avant-garde et de la nouvelle vague. À cette époque, Fassbinder intègre une troupe de théâtre, l'Action Theater, dont il reprend assez vite la direction sous le nom d'Anti-Théâtre. En 1968, il met en scène une réinvention du bureau d'Alfred Jarry, Orgie Ubu, avec une fête de famille qui dégénère en partouze, mais une partouze très coincée et très étrange. C'était un peu dégoûtant, dira Fassbinder, parce que le sujet était dégoûtant, mais c'était aussi très drôle, parce que le sujet était drôle. Les membres de l'Anti-Théâtre vont devenir les acteurs d'une grande partie de ses films, et certains sont en outre des membres de son équipe technique et de son staff de production. Cette période est courte mais abondante. 14 films, dont 10 ont été tournés en une seule année. Plusieurs films rejouent le côté faux film noir des premiers Godard. Ils sont remplis de citations littéraires et de dédicaces. Son premier film, L'amour est plus froid que la mort, est dédié à plusieurs cinéastes, dont Claude Chabrol. Chabrol est une des grandes admirations du jeune Fassbinder, qui dévore littéralement tous ses films, mais qu'il critiquera ensuite très sévèrement. Il critiquera également bon nombre de ses premiers films. C'est qu'entre-temps, il a changé. La raison de son changement, c'est la découverte du cinéma de Douglas Sirk.
qui lui fera prendre conscience de la puissance politique du mélodrame. L'influence de Sirk, sans être exclusive, traverse toute sa deuxième période, de 1972 à 1976, depuis Le Marchand des Quatre Saisons jusqu'à Je veux seulement que vous m'aimiez. C'est à l'aune du cinéma de Sirk qu'il pourra dire que ce qui manque au cinéma de Chabrol, c'est qu'il n'essaye pas de comprendre les motivations des hommes. Aucune question sur les vrais besoins et les vrais sentiments, écrira Fassbinder dans un ouvrage collectif consacré à Chabrol en 1975. Aucune référence au fait que les besoins que l'on considère comme siens ne sont pourtant que ceux que l'on doit considérer comme tels. Il ne fait pas de recherche, sinon il pourrait et devrait trouver des raisons à la brutalité des êtres et les faire connaître. Rainer Werner Fassbinder est obsédé par la façon dont les hommes sont façonnés par la société et poussés à se faire mutuellement du mal, même ceux qui croient travailler pour le bien commun ou l'intérêt général. Deux lignes doivent être suivies pour traverser le labyrinthe de malheur de ces films. Ce sont les serpenteaux de l'or et du plaisir, comme dirait Balzac. Deux forces dirigent les hommes, les rapports de classe et les pulsions sexuelles. Ne pas les prendre en compte dans la totalité de leurs actes, en particulier la façon dont fonctionnent les mécanismes de pseudo-émancipation qui finissent par renforcer l'oppression, c'est se condamner à ne pas comprendre les hommes. Et ne pas comprendre les hommes, pour Fassbinder, c'est ne pas les aimer. Cette puissance politique du mélodrame sera très bien comprise par l'un des deux plus grands continuateurs contemporains de Fassbinder, Lars von Trier. Parmi les 15 films de la période marquée par Douglas Sirk et réalisés entre 1972 et 1976, certains font partie des plus beaux de Fassbinder, comme Le droit du plus fort et Maman Custer s'en va au ciel. Dans ceux-ci, Fassbinder est impitoyable vis-à-vis de ce qu'il juge inacceptable dans son propre milieu. Publiquement bisexuel, il parle dans Le droit du plus fort de la violence des rapports de classe entre homosexuels. Er will wissen, was ich zahle. Ich zahle alles. Ich zahle immer alles. Ich muss immer alles zahlen. Immer. Notoirement marqué à gauche, son film Maman Custer s'en va au ciel montre la veuve d'un ouvrier qui s'est suicidé après avoir tué son patron, tout d'abord instrumentalisé par un couple de grands bourgeois communistes, puis abandonné par eux et s'associant par désespoir à un groupe terroriste. Dans ses films, Fassbinder ne s'épargne pas non plus en tant que cinéaste. Le film « Prenez garde à la sainte putain » réinvente l'histoire d'un de ses tournages. Dans celui-ci, Jeff, un réalisateur bisexuel révolutionnaire destroy, dans lequel on peut voir sans trop de mal un autoportrait parodique de Fassbinder, déclare solennellement à son équipe « Le plus dégueulasse, c'est de s'apercevoir à quel point on est resté bourgeois. » Anna, une comédienne jouée par Anna Chigoula, lui répond « Tu découvres ça maintenant ? Tu devrais regarder tes films. » Une troisième et dernière période commence avec Roulette chinoise en 1976. D'après Fassbinder, son premier film où la narration n'est plus basée sur les acteurs. Cette période est marquée par une mise en scène très sophistiquée et pleine d'artifices, des couleurs éclatantes, des miroirs partout, des travelings incessants et des mouvements de caméra souvent contraires au déplacement des acteurs, ainsi qu'une bande-son riche avec des superpositions de musique et de voix. C'est une sorte de réinvention punk de la grande multiplicité stylistique, de la maximalisation esthétique à l'œuvre chez Orson Welles ou Federico Fellini. Les films deviennent également plus énigmatiques, remplis d'ambiguïté. La dimension politique, toujours présente, se fait plus indirecte, puisque le sujet dominant devient l'absurdité insupportable de la condition humaine. On retrouvera une maximalisation esthétique et une dimension politique indirecte analogue chez l'autre plus grand cinéaste contemporain ayant repris la flèche lancée par Fassbinder, Bertrand Mandicot, en particulier dans son dernier film, Conan, où Elina Lovenson joue Rainer, un cerbère dont la personnalité est inspirée par celle du cinéaste allemand. La dernière période du cinéma de Fassbinder ne contient presque que des chefs-d'œuvre, en particulier L'année des 13 lunes, Desper et la série fleuve Berlin-Alexanderplatz. Dans ces films, ce qui les empêche d'être libres n'est non seulement pas compris par les personnages, mais même plus ressenti par eux. Ils sont allés beaucoup trop loin dans leur propre aliénation. Mais cela peut et doit être ressenti par le spectateur. Le fait que le film ait une fin fataliste, dit alors Fassbinder, fait naître dans l'esprit du public le besoin de rechercher une idée utopique. Donc plus un film est fataliste, plus il est plein d'espoir. Si un film a une fin terrible, une conclusion avec laquelle on ne peut pas vivre, il faut s'évertuer à en trouver une autre. Même s'il n'y a pas d'autre alternative, ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir les structures existantes parce qu'on ne peut pas créer du jour au lendemain une société anarchiste. C'est ça mon idéal politique. Surtout en ce moment où l'Occident confond anarchie et terrorisme, il n'y a aucun point commun entre les deux. C'est durant cette dernière période que Fassbinder réalise La Troisième Génération, sortie au cinéma en mai 1979, moins de 3 ans avant la mort du cinéaste. L'histoire traverse le film, en particulier par les radios et les télévisions, qui diffusent des documentaires et des débats, dont un plateau télévisé où apparaissent Danny Cohn-Bendit et Rudy Dutschk, un activiste qui avait été victime d'une tentative d'assassinat en 1968 par un manœuvre d'extrême droite. Mais aussi, lors d'un cours d'histoire donné par Hilde,
l'évocation de la révolution de 1848 en France et ses conséquences en Allemagne, la création de l'Assemblée nationale à Francfort, une assemblée qui fut notoirement inefficace, celle-ci étant majoritairement monarchiste. Les étudiants de la classe d'Ile 2 expliquent alors pourquoi les révolutions ont échoué. La bourgeoisie préserve toujours ses intérêts de classe, quitte à mettre en péril la démocratie pour ça, ce qui autrefois a mené au Troisième Reich. Was sind denn Ihrer Meinung nach die typischen Werte des Bürgertums? Sicherung ihres Besitzstandes, Ruhe und Ordnung im Lande, Treue der Obrigkeit gegenüber, Zuverlässigkeit und Strebsamkeit. Aber ist es nicht so, dass diese Haltung des Bürgertums doch letztlich direkt zum Dritten Reich geführt hat? Das gehört nicht hierher. Die Entwicklung des Dritten Reiches ist nicht unser Thema. C'est bien le sujet au contraire. Et Fassbinder a dit exactement la même chose en interview. Le national-socialisme n'était pas un triste hasard, mais la conséquence logique des valeurs de la bourgeoisie allemande. Ces valeurs sont restées les mêmes aujourd'hui. Pour comprendre la troisième génération, il faut retourner légèrement en arrière, 2 ans avant. En 1977, Fassbinder participe à un film à sketch, « L'Allemagne en automne », qui sortira en mars 1978. Il fait un court-métrage d'une demi-heure, tourné en 2 jours, et qui est totalement unique dans sa filmographie. Son sketch est une sorte d'autofiction, et il annonce quasiment l'atmosphère de la télé-réalité. Armin ! On y voit dans leur propre rôle Fassbinder, son compagnon Armin, et sa mère Liselotte, dite Lilo, dans un quotidien à peine réinventé. Le cinéaste se bat avec son compagnon et pleure dans ses bras. Okay. On le voit se saouler, vomir, appeler son dealer, sniffer des rails de cocaïne en travaillant sur un nouveau scénario, puis, effrayé par des sirènes de police dans la rue, jeter la drogue qu'il vient d'acheter dans les toilettes. On le voit surtout parler de l'actualité avec son amoureux, avec sa mère et avec plusieurs autres personnes au téléphone. Le 5 septembre 1977, Hans Martin Schleyer, président du patronat allemand et ancien haut dignitaire SS, responsable de la fourniture des travailleurs forcés pour le Reich, est enlevé par le commando Siegfried Osner, un groupe de la deuxième génération de la fraction armée rouge. Ses ravisseurs exigent en échange la libération d'Andreas Bader, de Gudrun Enslin et de Jan Karl Rasp, 3 figures clés de la première génération. Andreas Bader avait fait partie du milieu qui tournait autour de la troupe de théâtre de Fassbinder en 1968. Moins par intérêt artistique que pour trouver des complices parmi le public politisé des pièces, voire parmi les membres de la troupe. Et il en avait trouvé. Le décorateur du théâtre, Horston Lane, allait devenir artificier pour Bader et en compagnie de ce dernier, le 1er avril 1968, ils incendient le théâtre de Fassbinder dont Sonnlein avait construit la scène de ses propres mains avant de partir avec un minibus chargé de bombes artisanales faire exploser le grand magasin Schneider. Bader, Enslin et Sonnlein créeront la fraction armée rouge en 1969. Fassbinder a donc connu Bader. Et si ce dernier n'est certainement pas son ami, il se sent directement concerné par les événements que traverse alors l'Allemagne. Un mois plus tard, le 13 octobre, un avion de la Lufthansa est détourné à Majorque par un commandant palestinien qui le fait atterrir à Mogadiscio, en Somalie. Le chef du commando, capitaine Mahmoud, exige également la libération d'Andreas Bader. Bonsoir. La situation créée par le détournement d'avions de la Lufthansa est ressentie avec une telle gravité à travers le monde que, je viens de l'apprendre à l'instant et pour la première fois, le pape Paul VI a offert sa vie pour le salut des otages du Boeing. Le court-métrage de Fassbinder commence pendant la prise d'otage. On voit le cinéaste rentrer chez lui et demander à Armin des nouvelles du détournement d'avion. Armin lui dit qu'il ferait volonté sauter lui-même l'avion, histoire d'avoir la paix. Il voudrait aussi qu'on abatte les membres de la fraction armée rouge qui sont actuellement en prison. Fassbinder est hors de lui. Il ne respecte pas le droit, commente Armin. L'État n'est pas forcé non plus. Fassbinder se jette sur lui pour lui casser la figure et menace de le chasser de chez lui. Puis on voit Fassbinder se réveiller et téléphoner à son ami Ingrid Kaven pour lui parler de la mort de Bader, Enslin et Rasp, et exprimer ses doutes sur la thèse du suicide. C'est le plus sûr Gefängnis der Welt. Ein Kontaktsperregesetz, wo kein Mensch in die Zellen darf. Die Zellen werden jeden Tag 2x aufs Gründlichste untersucht. Das sind richtige Pistolen, das ist vorstellbar. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 17 au 18, peu après minuit, une brigade antiterroriste a pris l'avion d'assaut, sauvant les passagers, mais abattant Capitaine Mahmoud et 2 de ses complices. L'annonce de ce raid victorieux a entraîné par ricochet le meurtre de Schleyer, dont on retrouve le cadavre dans le coffre d'une voiture à Mulhouse, rue Charles Péguy, avec 3 balles dans la tête. Puis c'est le suicide, dans la même nuit, dans la prison de haute sécurité de Stamein, des 3 membres de la bande à Bader. Bader et Rasp auraient utilisé des pistolets. Esslin est retrouvé pendu avec un câble. La prison de Stamein avait la réputation d'être la prison la plus sûre au monde. Chaque cellule était soumise à une fouille rigoureuse plusieurs fois par jour. Tout cela est beaucoup trop pour Fassbinder, qui voit la montée d'un État autoritaire
rendu acceptable par la présence du terrorisme. C'est ce qu'on comprend lorsqu'on le voit parler avec sa mère, tous les deux éméchés et énervés. Lilo exprime sa crainte de trop de discussions publiques sur le sujet. Elle aimerait que des intellectuels responsables s'expriment, parce que la masse ne comprend pas encore la démocratie. Mais Fassbinder lui reproche de ne pas encourager la discussion critique, seule garante pour lui d'une bonne santé démocratique. Lilo défend l'idée de la démocratie représentative. Elle reconnaît qu'il y a des raisons de s'indigner, mais elle pense que ce n'est pas le bon moment. Fassbinder lui reproche d'avoir dit, hors champ, que pour chaque victime de terroriste, elle voudrait voir un complice des terroristes exécuté publiquement. Okay, das ist demokratisch. Nee, das ist nicht demokratisch, das war auch nicht demokratisch, dieses Flugzeug zu entführen und zu sagen, jetzt entschießen wir nach und nach. Oui, à mon avis aussi, répond Fassbinder. Mais il n'y a pas de loi spéciale pour les assassins, il ne doit pas y en avoir. La démocratie est le moindre mal, dit Lilo. Mais ce qu'elle préférerait, admet-elle en conclusion du film, voilà le contexte dans lequel Fassbinder écrit, réalise, cadre, coproduit et sort la troisième génération. Voilà ce à quoi il veut répondre. Et il va y répondre par une comédie. La troisième génération présente le terrorisme comme un jeu de société. Le jeu qui revient le plus souvent dans le film est le pendule de Newton, qu'on retrouve chez tous les personnages. Mais on voit des jeux tout le long du film, que ce soit le yo-yo d'Hilde ou le poster de labyrinthe dans l'appartement de Petra. L'Urs joue aux échecs. La cellule joue au Monopoly. L'opération menée par Auguste est même appelée Opération Monopoly. Le film est un jeu de société, dans le sens où les terroristes passent leur temps à s'inventer de nouvelles identités et à se déguiser, mais aussi dans le sens où ils sont intégralement joués par le capitalisme. Rudolf est obsédé par la discipline et veut partir en camp d'entraînement. Mais lors de la seule action concrète à laquelle il participe, le vol des papiers d'identité, il se pisse dessus de peur. Edgar est en colère contre son père Gerhard, mais il vit toujours chez lui, dans son espèce de vieille demeure bourgeoise. Wieder Menschen gejagt heute? Vielleicht mal wieder einen auf der Flucht erschossen? Edgar, nicht doch. Et lorsqu'il découvre que celui-ci dirige le raid qui a fusillé son complice Paul, il part pleurer comme un enfant dans le bureau de sa femme Suzanne, qui le reçoit en bâillant ostensiblement. Suzanne travaille pour l'Hertz, mais elle n'est absolument pas attentive au fait qu'il dise devant elle que son industrie marche moins bien depuis la fin des attentats et que ça va changer. Et elle est toujours aussi absente quand son beau-père et amant, Gerhard, dit à l'Hertz « Un traum, da... Da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, um den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist sehr komisch, nicht? Hilde donne des cours d'histoire. Pourtant, elle ne comprend pas la remarque de l'étudiant au sujet de la classe bourgeoise, dont l'obsession de conserver ses privilèges a entraîné la montée du Troisième Reich. Elle tient des propos féministes, mais une fois violée par Paul sous ses hurlements, elle se transforme en femme au foyer soumise. De tous les membres de la cellule, Petra est peut-être la plus déconnectée d'elle-même. Elle dit exactement sur le même ton « c'est génial » lorsque Hilde lui présente un chemisier pas cher, quand Auguste annonce qu'ils doivent aller braquer une banque, ou quand elle va aller seule poser une bombe. Ach so. Ihr meint... Aber natürlich. Das ist genial. L'engagement politique a beau s'achever de façon tragique, il est purement et simplement cosmétique. Ce qu'un critique de cinéma américain appellera le terrorisme chic. Je pensais qu'en tournant la troisième génération comme une farce, expliquera Fassbinder en interview, j'arriverais mieux à démontrer que ces terroristes sont au fond des personnages ridicules parce qu'ils n'ont pas le moindre mobile sérieux. Malgré toutes les graves implications de leurs actes, j'ai trouvé ces gens comiques, surtout si on considère que ce qu'ils font est visiblement contre-productif. Tous les personnages de la troisième génération sont dans des états contradictoires où leurs convictions et leurs pulsions entrent en conflit. Aucun n'arrive à poser un diagnostic juste sur son état. Et tous passent à côté des êtres vraiment purs qui les entourent. Le chômeur désespéré, l'anarchiste idéaliste, danke Franz, et la jeune héroïne man. Pour ces trois personnages, l'empathie de Fassbinder semble totale. Et le traitement mélancolique de Franz et d'Ilse, ou plein de sympathie de Bernard, coexiste avec le ton de farce macabre du reste du film, créant ainsi une grande étrangeté émotionnelle pour le spectateur. Une phrase de Bakounine qu'Auguste lit à haute voix dans le livre appartenant à Bernard contient une des clés du film. Les enfants de la bourgeoisie héritent des excès, des préjugés, de l'égoïsme de leur père. Même Gerhard, le commissaire cynique, a un problème avec son père et il en parle à Bernhard alors qu'il joue névrotiquement avec un Mickey à ressort et avec un jeu de fléchettes tout en mangeant une barre chocolatée. La perquisition de l'appartement de Rudolf par la police est encore plus dérisoire que la préparation des actions terroristes. Gerhard et Bernhard
ou alors un dialogue totalement absurde sur la nécessité d'arrêter une casquette, un magnétophone, une affiche, un téléphone, de la brioche, une plante. Enfin, l'ensemble se termine pendant Mardi Gras et l'enlèvement de PJ Lertz se fait sur le rythme d'un numéro de clown, ce qui était déjà annoncé à travers le nom même de l'agent provocateur qui faisait le lien entre l'industriel et le groupe, Auguste. Auguste, après tout, est le nom d'un type de clown. Et en effet, les relations entre le terrorisme et la police peuvent être perçues comme un numéro de clown terrible, comme Palomar et Zygomar, les personnages de Delphine de Ton. PJ Lertz est joué par Eddie Constantine. Ce n'est pas un choix anodin. Acteur connu pour avoir incarné le personnage du détective Lemmy Cochran dans des films grand public, il a aussi repris ce rôle dans Alphaville de Jean-Luc Godard. Fassbinder le fait revenir pour la troisième fois dans son cinéma, après Prenez garde à la sainte putain, où il jouait son propre rôle, et une apparition dans Le Monde sur le fil, qui avait surtout valeur de symbole. Réalisé en 1973, Le Monde sur le fil est un film qui annonce la science-fiction gnosticisante des années 90, de Dark City à Matrix. C'est une adaptation de Simulacrum 3, un roman de Daniel F. Galouille, où le personnage principal, un informaticien qui développe un programme de monde virtuel, se rend progressivement compte qu'il évolue lui-même dans un monde virtuel aux apparences identiques aux nôtres. Le Monde sur le fil a été tourné partiellement à Paris, dans le 15e arrondissement et le quartier de la Défense. C'était aux yeux de Fassbinder les seuls lieux qui donnaient alors une idée de l'Europe du futur. Une particularité du personnage de PJ Lertz, c'est son amour du cinéma. Sa secrétaire Suzanne regarde le diable probablement sur ses conseils. Il parle également de Solaris d'Andrei Tarkovsky et dit « c'est un des meilleurs films que j'ai vus ». Enfin, il évoque le cinéma comme son utopie minimale et unique. « C'est nur, dass im Film Begriffe die Lüge tarnen und sie als Wahrheit erklären. Und das ist für mich die winzige und einzige Utopie. » Ça ne vous va pas, ces idées, lui dit Gerhard qui vient le visiter. En effet, ces idées ne vont pas avec sa fonction de PDG. Mais Lertz est double. C'est à la fois l'incarnation du capitalisme à venir et l'expression mélancolique de l'utopie anarchiste de Fassbinder. Il a d'ailleurs à sa manière un rôle de metteur en scène, puisqu'il va secrètement orienter les autres personnages afin de se faire faire son film. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 1979. De là à dire qu'à l'instar du cinéaste Destroy de Prenez garde à la sainte putain, le personnage de Lertz est un autoportrait critique de Fassbinder, il n'y a qu'un pas. Et si PJ Lertz est un double inquiétant du réalisateur, la cellule terroriste est à sa manière une réinvention parodique de la troupe de Fassbinder, une réinvention de l'antithéâtre. Le film est une comédie, dira Fassbinder, parce que ces gens travaillent à proprement parler pour l'ordre établi, pour confirmer et pérenniser l'état des choses. J'espère naturellement qu'au-delà du rire, le film produira chez le spectateur une sorte d'effroi, parce qu'en réalité, ça n'est pas comique. C'est d'autant moins comique que plusieurs de ces personnages ont des instants de lucidité sur eux-mêmes et presque des visions du plan plus large qui apparaissent comme des pistes inexploitées dans leur tentative de sortir de leur labyrinthe de malheur. Suzanne, lorsqu'elle est lucide sur sa haine de soi qui la pousse à coucher avec son beau-père, dit quelque chose de pas du tout comique. Ou encore Hilde, qui avoue à la mort de Paul qu'elle envie son sort. Plus de douleur, plus de grande peur, plus de désespoir pour la fin infinie. Ici, Hilde rejoint les personnages des films précédents de Fassbinder, dont le désespoir pousse à embrasser la folie ou la mort. Hermann Hermann dans Despair, qui y trouve la seule grandeur que la vie peut encore lui offrir, et surtout Elvira, l'héroïne transsexuelle bouleversante de l'année des 13 lunes, amoureuse d'un homme qui la rejette et qui ne voit d'autre issue au labyrinthe dans laquelle elle erre que le suicide. Dans l'année des 13 lunes, l'irréalité du monde semble totale. Fassbinder, dont l'obsession pour le récit du monde sur le fil s'est déployée dans le cinéma de sa troisième période au point de contaminer la totalité de sa représentation du monde, l'écrit dans le synopsis du film. Le monde dans lequel précisément Elvira se trouve n'est que la maquette d'un monde supérieur où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables. Cette vision, à la fois cybernétique et mystique, est également présente dans la troisième génération. Ce qui explique sans doute à la fois le rôle de PDG d'informatique d'Eddie Constantine, son amour de Solaris et la saturation permanente de la bande-son. Comme si ce que le film avait à dire, c'est que ce monde était de toute façon en cours de déréalisation. Le monde comme illusion, dont parlent à la fois gnostiques et bouddhistes, est en train de se dévoiler concrètement, de façon apocalyptique, avec l'apparition de l'informatique.
le cinéma de Fassbinder parle déjà du métaverse, les terroristes de la troisième génération sont déjà des influenceurs. Fait étrange, la troisième génération connaîtra une sorte de spin-off 2 ans plus tard. C'est Le Pont du Nord, un film de Jacques Pivette sorti en 1981, où celui-ci fera revenir, à travers son actrice Bulogier, un spectre de la troisième génération, celui d'Hilde. Jacques Rivette le dira au micro de Claude Jean-Philippe dans l'émission Le cinéma des cinéastes. Bulle a eu l'envie de reprendre un personnage qui ne serait pas exactement celui qu'elle interprétait dans le film de Fassbinder, La troisième génération, mais comme un double de ce personnage, un sosie de ce personnage, un rêve de ce personnage qui aurait survécu et qui serait revenu en France. Marie est Hilde et elle ne l'est pas. Elle est un rêve d'Hilde. Mais les films de Fassbinder, mettant en scène la vie de ces personnages comme des maquettes d'un monde supérieur, où on teste des réactions au moyen d'être vivant apparemment véritable, on peut considérer que c'est le même personnage qui passe d'une maquette à une autre. Hilde passe d'un monde virtuel basé sur une maquette de Berlin à un monde virtuel basé sur une maquette de Paris. C'est d'ailleurs un pari tellement peu réaliste que les monuments célèbres y apparaissent à des endroits incongrus et le 13e et le 9e arrondissement se mélangent sans aucun souci de cohérence. Toutes les rues sont hors de leur gond. Dans Le Pont du Nord, Marie revient d'un an de prison après le braquage du Crédit Lyonnais de Saint-Ouen. Elle rencontre Baptiste, une jeune femme androgyne, jouée par la propre fille de Bulle, Pascale Augier. À nous deux, Babylone, dit Baptiste, qui entre à Paris comme dans une terre de combat apocalyptique. Toutes deux suivront un tracé qui est celui d'un jeu de loi, avec son tombeau, son labyrinthe, son auberge, sa prison, son pont et son puits. Les relations qui unissent Fassbinder et Rivette sont mystérieuses. Dans un entretien donné à la revue Filmfaust et publié un mois avant sa mort, Fassbinder parle de Fellini et de Rivette comme de ses deux contemporains qui ne filment qu'avec leur génie. Dans son dernier film, Querelle, un personnage secondaire est d'ailleurs nommé Rivette en hommage au cinéaste français, comme auparavant il avait nommé des personnages Walsh ou Curtis, ses réalisateurs américains favoris. Enfin, dans sa première interview américaine pour Film Comment, en novembre 1975, il avait parlé de son admiration pour Out 1 de Jacques Rivette. Out 1 est un film de 13 heures, évoquant un complot présent dans le Paris des années 70, complot basé sur le modèle de l'histoire des 13 de Balzac. C'est un film dont Fassbinder n'avait pu voir que la version courte, seule distribuée en salle à l'époque, Out 1 Spectre. Out 1 est une méditation sur l'échec de mai 68, mais aussi une rêverie sur les groupes qui désirent changer la société et se perdent dans les serpenteaux de leurs labyrinthes individuels. On pouvait également le voir comme une sorte de farce inquiétante sur ce qu'était devenu le groupe des Cahiers, la Nouvelle Vague. Si Le Pont du Nord est un spin-off de la troisième génération, on peut se demander si la troisième génération n'est pas, lui, un remake macabre d'Out 1, d'où la présence de Bulogier. Comme Out 1, la troisième génération est le film de Fassbinder sur l'échec de sa génération à produire une révolution. La troisième génération est sa manière de traiter, de façon carnavalesque et cruelle, en mordant violemment dedans, sa propre histoire politique. Il faut, à un moment ou à un autre, que les films cessent d'être des films, disait Fassbinder, pour commencer à devenir vivant. De telle sorte qu'on se demande, qu'est-ce que ça donne exactement dans mon cas, dans ma vie? Les mauvais films nous confortent dans nos croyances. Ceux de Fassbinder nous remettent en question, encore et encore. Ils ne nous laissent pas en paix. C'est un cinéma qui nous regarde. Nous croyons à beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre, mais plus encore, nous croyons que nous y croyons. Nous avons été habitués à y croire. Et par habitude, par confort, nous restons accrochés à nos croyances. Il est impossible de regarder un film de Fassbinder, de ne pas se mettre spontanément à réfléchir sur nous-mêmes, sur les autres, sur tout ce qui nous conditionne. Tous les films de Fassbinder visent une chose, libérer le spectateur du film qu'il voit, et en le libérant du film, le libérer aussi de lui-même, libérer sa tête. C'est ça, la fin du film. On regarde des films pour cesser de croire à des choses qui nous font souffrir et mourir. Les films nous regardent pour qu'on commence à vivre. Merci d'avoir vu cet épisode de La Fin du Film et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans le prochain épisode, on parlera de Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky. Si vous pensez que certains films auraient leur place dans La Fin du Film, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Toutes nos exégèses ne visent qu'à une chose, libérer le film, et en le libérant, nous libérer nous-mêmes. Si vous avez aimé ce jeu de société, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Il faut, à un moment ou à un autre, que les exégèses cessent d'être des exégèses pour commencer à devenir vivantes.